Quand les chiffres sont sortis dans le rapport CIAS, c'est sûr que c'est énorme, mais j'avais tout de suite parlé à Susanna en disant, je pense qu'entre maintenant et dans 6 mois, ça va être de la folie. Il y a plein de victimes encore qui n'ont jamais parlé. Ça va leur donner la possibilité de parler, ce rapport, parce qu'ils ne sont pas seuls et que la plupart des victimes, ils disent, je suis seule, je suis la seule victime, donc j'ose pas en parler, donc qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais là, avec tout ce qui se dit en France depuis plein d'années pour la population générale, mais là maintenant dans l'Église, je suis sûre et certaine qu'il y aura plein, plein de gens qui vont parler. On parle cash aux prêtres et coopérateurs de la pastorale dans cette session de formation pour comprendre la gravité des crimes commis dans l'Église. Il faut dire que tous sont sous le choc des conclusions du rapport qu'a remis Jean-Marc Sauvé aux autorités de l'Église de France quelques semaines plus tôt. Le rapport de Siaz était quelque chose qui m'a bouleversée personnellement, en plus de tous les laïcs. Je suis formée sur la question, donc j'étais claire qu'il y avait énormément de victimes, mais je n'attendais pas ces chiffres de 300 000 victimes. J'ai pensé à toutes les victimes avant de penser à tout le reste. Et voilà, je me suis faite toute petite et je me suis dit, voilà, on est tout petit, ça nous dépasse complètement. Voilà, j'ai prié avant tout pour les victimes. C'est vrai quand même que le fait qu'il y ait autant de personnes dans l'Église qui soient des criminels quoi, de ce type, ça a été quand même un choc. Enfin, je ne pensais pas que c'était de telles proportions. Dans l'Assemblée, le supérieur du Grand Séminaire de Strasbourg est particulièrement attentif, lui qui est chargé de former les futurs prêtres du diocèse. C'est une période difficile parce qu'il faut qu'ils envisagent et qu'ils prennent en compte l'impact aussi auprès de la population et du public d'une façon générale de ce rapport et des révélations qu'il contient et de la dimension du scandale tel qu'il est provoqué et se projeter dans une perspective d'ordination, de se projeter dans une perspective d'entrée dans un ministère qui est au moins pointé du doigt, ou en tout cas qui est remis en cause très sérieusement, est une épreuve. Le premier chapitre est éviter le mal. La mobilisation du diocèse sur ces questions n'a pas attendu le rapport de la CIAZ. La rencontre de plusieurs victimes depuis 2016 a convaincu l'archevêque de Strasbourg qu'il était urgent d'écouter ces victimes et d'alerter les catholiques d'Alsace. Vous êtes peut-être au courant qu'il y a malheureusement beaucoup de cas d'abus dans le diocèse. Du coup, il a hérité des dossiers importants, mais aussi il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté les victimes. Et je dirais que cela fait une conversion de cœur. On ne dit jamais ça, jamais de nouveau. C'est l'écoute des victimes qui fait vraiment changer le cœur des personnes. Le code est construit en lien avec des groupes de travail organisés dans tout le diocèse, un code des relations pastorales a été promulgué en novembre 2020. Il a pour but de donner des directives précises pour lutter contre les abus. Il y a toute une liste de mesures, de choses qui vont être mises en place dans le diocèse. Il y a le binôme, il y a un module pour les adolescents où on va parler de la sexualité et on va aussi oser une parole sur les abus, que nos adolescents savent à qui ils peuvent s'orienter si jamais ils sont victimes de quelque chose. Aussi, on a mis en place une lettre d'engagement où chaque prêtre, chaque coopérateur, coopératrice, diacre, etc. va être obligé de signer cette lettre d'engagement qui a autre obligation en place, jamais seul avec une mineure, etc., etc. Nous, au service de la catéchèse, on a quand même un super bon retour. Le service de la catéchèse est particulièrement mobilisé pour assurer la sécurité des jeunes. L'idée, en fait, c'est qu'un catéchiste ne se retrouve pas seul avec un groupe d'enfants pour pouvoir être sûr que l'occasion ne se présente pas. Et puis, c'est protéger les enfants, mais c'est aussi protéger nous, les catéchistes,
On est deux adultes, il n'y aura pas de suspicion ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est ce binôme, ça peut être deux catéchistes formés, mais ça peut aussi être une catéchiste avec un des parents du groupe qui tourne à chaque fois, ou alors la catéchiste qui demande à une amie de l'accompagner. Et vraiment, le fait d'être en binôme, tous les catéchistes que je mettre vois... Mettre en place des binômes, donc, mais aussi proposer un module d'information à destination de ces jeunes. Module animé par des professionnels avec l'accord des parents, pas forcément facile à convaincre. Je vais vous parler de ma première réaction quand Sœur Susanna m'a dit on va mettre un module. Je dis écoute Susanna, c'est pas à l'église de parler de ces sujets-là. Moi en tant que maman, j'estime que c'est mon devoir de le parler, d'en parler et que c'est pas aux autres d'en parler. Et puis en fait on s'aperçoit que c'est un sujet qui est difficile à aborder avec ses enfants, c'est un sujet qui est jamais abordé en fait. Donc pour moi, c'est vraiment la mission de l'Église de venir en soutien des parents pour aborder ce sujet. C'est sûr que quand on va rencontrer des jeunes, il faut que les parents soient informés, il faut qu'ils soient au courant, il faut qu'ils autorisent. Et puis ça sera quelque chose qu'on a vraiment envie de mettre en place, c'est que bah, si les jeunes ils entendent ce discours de la beauté du corps, de notre rapport aussi à notre sexualité, bah, il faut que les parents aussi soient formés pour pouvoir répondre aux questions que leurs enfants vont leur poser après. Donc c'est le tout début d'un grand chemin. Je suis très fière d'être dans notre génération. C'est compliqué, c'est émotionnellement compliqué. Ok, mais vous pouvez être fière, vous devez être fière. Nous sommes la première génération à lever la parole, à prendre conscience du fléau. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, ça ne s'arrêtera pas. Et c'est grâce à la levée de parole, la levée de conscience, exactement ce qu'elle a dit, on n'est pas responsable du passé, mais maintenant on est responsable de maintenant, on est responsable de l'avenir, et maintenant, avec tout ce qu'on sait et tout ce qu'on va savoir de plus en plus. Le chemin entrepris par le diocèse est bien accueilli par les personnes présentes. Toutes sont convaincues qu'il est urgent de prendre des mesures radicales pour lutter contre tous les abus. Oui, c'est fondamental pour moi parce que... Il faut réagir. On a des chiffres qui sont tombés, on a tous des victimes autour de nous et donc on a envie que les choses changent. En fait, je trouve ça réconfortant de se dire que notre autorité, elle nous donne des clés pour avancer, elle nous donne des solutions pour être vigilants vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et non pas qu'on est forcément toujours dans une logique soit d'autoflagellation un peu à bon compte, on va dire, ou d'accusation un peu facile. Mais qu'il y a, bon, voilà, que c'est, on prend des moyens et ça me semble, enfin, j'ai trouvé que c'était une vision réaliste et donc qui aide, qui est claire. Cette formation a été donnée également aux séminaristes du diocèse. Il ne s'agit pas simplement de faire de la prévention, il s'agit aussi d'assurer une formation. Et Sœur Susanna est intervenue en particulier sur une approche très intéressante, stimulante aussi, d'une théologie du corps appuyée sur la théologie de Saint Jean-Paul II, et les rendre attentifs à la présence et à l'existence du corps. Ils ne sont pas des purs esprits et il reviendra encore pour la suite. C'est des enfants qui sont touchés par des adultes, on a moitié garçons, moitié filles, avec dans l'église beaucoup une grande part de garçons. Les conséquences chez les garçons sont terribles après pour leur vie, vraiment quoi. Et il faut pas minimiser, vraiment. La honte devant tous ces crimes en fait douter beaucoup. Alors, l'église se relèvera-t-elle de tous ces scandales commis en son nom ? Il faut absolument maintenir l'espérance parce que sinon on arrête tout immédiatement et on ferme boutique et on dit il n'y a plus d'église catholique. Non, il faut maintenir l'espérance parce que ce qui est premier, c'est l'annonce du Christ. Oui, j'ai de l'espoir. Je pense qu'il faudrait travailler beaucoup afin d'arriver à une église qui est vraiment transformée sur cette question-là. Mais j'ai d'espoir parce qu'il y a énormément de pays autour de nous qui ont déjà d'avance sur cette question et que nous pourrions regarder à ce qu'eux, ils ont fait et de mettre les choses en place ici qui correspondent. Si cette session a pleinement rempli son but, elle n'épuise pas les questions que tous ces prêtres et laïcs se posent. D'autres sessions seront nécessaires pour continuer le travail amorcé.